Au collège ou au lycée, la violence est interdite. Mais pourtant, 77 334 mineurs sortent de la cour d'assises pour mineurs avec sanction définitive. Mais aussi, 7634 en sortent avec une décision rejetant la poursuite. Un mineur peut être jugé comme un majeur, car le mineur est moins mature que le majeur, alors du coup, il est moins conscient de ses conséquences. C'est pas, car le mineur n'est pas le même droit que le majeur. En effet, un mineur ne peut pas être jugé comme un majeur. Le mineur est plus souvent avantagé par son inconscience. Comme dans l'affaire Andy F. qui avait tué ses parents et ses deux frères et qui, après avoir eu un sursis probatoire, qui est une peine donnée par le juge avec des conditions, a été déclaré innocent. Les mineurs sont traités avec beaucoup d'indulgence. En tout cas, surtout, le principe, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de peine de prison. Qu'il y ait surtout des mesures d'accompagnement et d'éducation. On part du principe que quelqu'un qui est mineur est encore... Encore dans une phase d'apprentissage par rapport à la vie sociale, et effectivement les peines sont beaucoup moins sévères que pour les adultes.